Salut à tous, c'est Quincy, on se retrouve sur Fondation pour la suite de cette partie, alors qu'on est en train de développer petit à petit cette magnifique fontaine qui devrait au final nous aider à quand même relativement bien baisser le coût d'entretien. Économiser 50 par semaine, c'est quand même pas dégueu, ça c'est le coût d'entretien hebdomadaire. Donc ouais, baisser 50 par semaine, c'est loin d'être dégueu. Et ça nous permettra donc non seulement d'avoir plus de pépettes, mais aussi de pouvoir développer celui-là beaucoup plus et d'arriver à avoir pas mal de choses. Alors, dortoir des moines, dortoir des nonnes, chapelle, scriptorium, jardin monastique, hospice, réfectoire, trésorerie, cloître, cuisine monastique, ruchier. On n'a pas fait le ruchier encore. On pourrait faire le ruchier bientôt. Pas d'accès au luxe. Toi, tu veux du luxe. Parce que c'est une citoyenne en visite. Attention, nous on est des pégus, hein, on n'est pas citoyens, tout ça. Là, vous parlez un truc. Il va nous falloir de la bibine. Pour la bibine, il va nous falloir. Du coup. Et ben ça. Un lieu où les raisins sont sélectionnés avec soin pour être écrasés en pulpe. Oui. Déverrouillé, établissement vinicole. Grande salle, travail du verre, produit vitrail, ouais, décoration monastique modeste, contrefort modeste, modeste croix, ça va être bien, privilège bon, voilà, ça va être pas mal quand même. L'entretien des bâtiments du clergé réduit de 25%, réduit de 25% au lieu de 10, il me semble. C'est où ouais, donc ça va être bien, plus les 50% ici, ça va être quand même pas mal. Après, il va quand même falloir monter à 250 de prospérité. Ça va être autre chose. Mais une fois qu'on aura ça, qu'on aura un peu de viticulture monastique, ça devrait le faire. Statue de moine. Ouais. On va pouvoir faire ça. Il faudra rééditer un privilège. Ça arrivera plus tard. On a 146 de prospérité. Église rustique construite. Ça c'est bien, on rajoute un tout petit peu de, voilà, on est à 147, donc je pense qu'une fois que la fontaine est construite, on est bon. Une fois que la fontaine sera construite, on sera bon. Là il y a 200, là vous êtes à 88 sur 100, c'est pas mal, ça le fait. Toi c'est fini, il va falloir qu'on rajoute hop un des bâtisseurs. Alors, est-ce que c'est les mêmes bâtisseurs? Séga, Guifroy, Lanfranc, Bartholomette. Ou ce nom de championne. La fête du pain. Alors, le problème, c'est que la foire de pain, bonus commercial sur les exports, 20% de bonheur. Assignez pain aux étals de marché. Non. Parce que le problème c'est que du pain on n'en a pas des masses. Moi je veux bien, mais du pain on n'en a pas énormément. Donc ce serait un peu risqué de faire une fête du pain si on peut pas avoir de pain. Là par contre, 42, on va pouvoir se faire une nouvelle petite ferme ici. Hop, on va vous construire ça. On va se faire une ferme ici parce qu'on va en avoir besoin. Mine de rien. Bon, on va mettre des transporteurs, hein, ils seront contents. Je vérifie que oui, j'ai pas mis ça ici. C'est bon. Donc tout ça c'est fait. Ça c'est fait, et après on va pouvoir commencer à ce que là, bâtisseur célèbre, donc ça non, 50 auprès de chaque royaume, ça ce sera faisable, hein. Ce sera une prospérité de 500, ça va être atteignable assez rapidement en fait, quand je vois le rang qu'on a sur comment le clergé, avec les bons trucs de toute façon ça peut aller assez vite. Ça monte bien aussi, niveau splendeur.
Rang. Pénalité non exclusivité 27 quand même. La vache. 10. Mmh. Mais on peut mitiger ça, les pénalités. Dédié aux tiers états. Donc avoir 100 citoyens ou plus dans votre village, ça pourrait être assez rapide au final. Une fois qu'on va commencer à augmenter tout le monde. Dédié au clergé, ça, on est sur le point de l'avoir dans pas si longtemps que ça. Et dédié à la noblesse, on pourra faire ça assez rapidement aussi, remarquez. Ça, c'est juste que ne jamais générer de revenus à partir des routes commerciales et avoir 100 citoyens. C'est celui-là, il va être faisable. Il faut juste qu'on se développe un peu plus. Et une fois qu'on aura ça, alors là, attention. Dès qu'on va ouvrir le commerce, on va être pété de thunes, ça va être violent. Sachant qu'on est déjà plus ou moins pété de thunes. Est-ce qu'on commence ? Voilà, on a déjà une statue. Ça arrive petit à petit. Ferme de blé construit, ça c'est bien. Alors, dans un premier temps, on va dessiner un champ ici. Très élevé. Hop. Que ça passe au niveau de là, ouais, jusque derrière l'église, ce sera pas mal. Et on va rajouter 3 fermiers. Voilà, un marchand requiert une audience. Voilà, bois pour le prévôt. Le bois, oui, le bois, on est d'accord. Mandat, on va continuer d'aller chercher les minerais, explorer comme ça, ce sera fait. Donc là, on vient bien chercher du blé, c'est parfait. Le pain, ça augmente. La farine, notre seul moulin est quand même largement suffisant. Regardez tout ça. Alors, hop, hop. Et toi ? Acheter du pain, des herbes et de blé. Non. Quoique les herbes, si. Hop, allez, hop. Ça, c'est pas mal. On va voir ce qu'on va pouvoir faire, mais là, ça va pas marcher des masses non plus pour l'instant. Ça fonctionne bien, mais les herbes remontent, c'est bien. Sachant qu'on en a livré, donc c'est encore mieux. Ça, on y est presque. Encore deux petites statues qui devraient aller deux fois plus vite maintenant, vu qu'on a trois. Qui a presque fini ta sculpture, et toi qui a pas commencé la tienne. Bon, on verra ce que ça donne, mais a priori, ouais, ça devrait quand même aller plutôt bien. Pas énormément de sans emploi, on a ce qu'il faut au niveau du jardin. Quoi, ça va être va falloir aller le chercher quand même, hein, le 250 de prospérité. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Allez, décoration, faudra faire le tiers état. Sachant que ça, c'est 100 de niveau, donc faut pas qu'on aille taper trop là-dedans, non, enfin dans les autres non plus, parce que ça va, on va avoir un peu de mal sinon. Ah non, 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 c'est pas simple. C'est pas si simple que ça. C'est loin d'être si simple que ça. Voilà, lui il a eu ça, son avant-dernière. On aura la prochaine après. Et là, de pleuvoir. Ça fait du bien ça. Le meilleur jour arrive. Quel soulagement. Quel soulagement quand il arrête de pleuvoir. Le marché toujours aussi bien. Commence à faire de la vinasse bientôt.
faudrait qu'on vire ça. Alors attendez. Temporairement, est-ce qu'on pourrait pas se mettre un petit truc ici? Temporairement, je dis bien. Pour avoir... Pour virer tout ça, taper là-dedans aussi. Comme ça, on aura pas mal de vin. On pourra se faire une zone pour le vin ici, ce serait pas mal. C'est légèrement en colline en plus. Donc c'est plutôt cool. Et niveau de la map, il nous reste encore pas mal de trucs à faire. On a encore pas mal de chemin à faire, sachant que je me rappelle ici, sur une partie précédente, j'avais construit un méga château ici. On le fera pas, ça, non. Mais ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. On se met bien, là. On se met plutôt... Niveau thune, on est ultra bon, en fait. On va avoir trois bûcherons. On va leur dire de venir nous couper tout ça. Et tout ça, on peut venir, on peut demander de couper tout ça aussi. Alors ce sera pas les bûcherons les plus efficaces du monde, mais ils seront là. Qu'est-ce qu'on peut construire? On pourrait commencer à faire du charbon. Il va nous falloir des étals de produits de luxe de toute façon. On va pouvoir commencer à faire du charbon. Ça, de toute façon, il nous faut des roturiers, donc ce sera pas maintenant. Mais la production de charbon pourrait commencer à être mise en place. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Ça nous permettrait de consommer du bois, surtout. Parce que ça, derrière, ouais, il nous faut roturier, donc c'est pas la peine maintenant. Mais si, par exemple, toi, je te mets là. Je vais reconstruire. Ici, on met... charbon. Et bois. Ah, il n'y a déjà plus de villageois. Eh bien. Ou qui sont les villageois? Ah, mais c'est vrai qu'on en a mis un paquet là-dedans aussi. Donc, eux, en fait, ils viendraient mettre ça là-dedans. Charbon, on va pouvoir commencer à produire un peu de charbon. Donc, ça va consommer notre bois. C'est pas une mauvaise chose. Tout en faisant ça, pendant qu'on aura derrière notre petit truc viticole ici, je pense. Nos moutons. Là, il y a largement suffisamment de moutons. Nouvel arrivant s'approche du village, ça c'est cool. Donc les baies, le poisson, il n'y a pas de souci. Malgré le fait qu'on soit 150 quand même. Donc... ça qui produit des... Enfin, le monastère qui produit des baies, c'est quand même une bonne chose. Un émissaire requiert une audience, accueillir les moines errants. Bien sûr. Les moines errants n'ont pas besoin de luxe, c'est pas un problème. Ça, le blé... Voilà, c'est en train de récolter, là c'est en train de récolter aussi. C'est parfait. C'est en train de tout nous récolter, donc ça c'est quand même nickel. Nouvel arrivant. Hop, ça nous fera nos charbonniers. Si ça s'appelle comme ça, aucune idée. Et non, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Et elle est finie pour l'instant. Elle est finie. Ça veut dire que toi...
Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que ça ne fonctionne que sur... L'élément coût d'entretien du bâtiment est diminué de 50%. Moi je veux bien, mais j'ai pas l'impression. C'est pas comme si on manquait d'argent, mais j'ai pas vraiment l'impression. Mandat disponible, t'as rien trouvé toi j'imagine. Décidément. Oui. Alors, maintenant qu'on a ça. On manque toujours un petit peu de splendeur. En splendeur, on en a un paquet quand même. Pour en avoir plus, mais on en a un paquet. Là. Déjà, on va se mettre deux charbonniers, ça va être pas mal. Donc ça, ça fonctionne, la splendeur, c'est comme ça, c'est pas mal. Vierge niveau exemplaire atteint. Voilà, je sais pas ce qui vient de se passer. Je sais pas du tout. Ah, c'est la richesse qui vient de monter. Bon. Eh ben, on a débloqué le prochain niveau. Alors, on va pouvoir tout s'acheter, hein, parce qu'on est... Il y a de la thune. Décoration monastique modeste. La vinasse. Le travail du verre. Déjà ? On va voir. 40 salles. Zut, j'aurais dû faire ça d'avant. 30, c'est pas grave. Ça va remonter comme il faut. Accueillir les moines errants. Ça, ça va nous permettre d'augmenter les points aussi. Donc maintenant qu'on a ça... J'ai débloqué quoi déjà exactement? La bonne blague. Le vin et surtout contrefort modeste, modeste croix, décoration modeste, sanctuaire de pierre modeste. Donc tout est modeste. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir faire quand même des trucs pas mal. On devrait pouvoir faire des trucs pas mal. En attendant, requiert ça, acheter du pain, des herbes et des machins. Les herbes, on en a un peu. Oui. Les baies, on en a un peu aussi. Hop. Ça, ça ne reste que 11. Donc il faut qu'on fasse celui-là d'abord. Parish Grant. Administre les mandats du village. Donc on peut quand même faire. On peut avoir l'équivalent d'un bailli ici, a priori. D'accord. Éditer privilège, oui. Emplacement libre, ça on va pouvoir mettre. Est-ce que je peux cumuler? Ce sera puissant. Pénalité sur le rang de non-exclusivité entre le clergé et la noblesse est divisée de 50%. Tous fidèles. Ça, c'est quoi? Ah bah voilà. Et toi, nouveaux arrivants ignorent le machin. Entretien des bâtiments du tiers état, moins 10%. Bon, on va faire ça comme ça, mais c'est vraiment pas mal, en fait. Parce que du coup... 15 états, il est remonté un petit peu. Voilà, il est passé au niveau 39. Parce qu'il n'y a plus de pénalité de non-exclusivité. Oh. Ça, t'es passé à 105 direct. Donc avec un rang 105... Tu passes à 0 de pénalité. Donc t'es passé à un niveau supérieur. Ah, t'es même bien placé. Du coup, on va pouvoir faire ça. Un impôt commettant son. Ça, c'est bien, ça. Plus d'impôts. Plus d'impôts. Les thunes, tout ça. Voilà, je peux avoir un impôt sur les moulins à vent. Sans... Oh. Ça aurait été rigolo. Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais... Nouvel arrivant. Hop, bonjour toi, accueillir les moines, tout ça, c'est bien. Donc tout ça, c'est pas mal. Tout ça, c'est effectivement pas mal du tout. Est-ce que... Non, administration pour le coup, je peux pas faire grand-chose d'autre. Je vais débloquer... La mémoire de poisson rouge. Des éléments architecturaux pour le machin. Pour avoir des trucs un peu plus sympas quand même.
Taxe sur les mines. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Cuisine de la taverne, mais il faut des roturiers. Donc ça, non. Pénalité, le rendre non exclusif entre tiers état et noblesse diminué de 50%. Donc tout ça, ça va être bien. Ça, ça va être vraiment bien. Tout ça, on va pouvoir utiliser au bout d'un moment. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on est quand même très très bien. Ça, ça le fait. Donc si on regarde ici, maintenant, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Décoration, ça augmente de la... Ça augmente pas la décoration, ça augmente juste notre truc ici, quoi. C'est bien sans trop l'être. Le villageois, il arrive ou... J'ai cru voir qu'il y avait un villageois qui arrivait, mais bon, tant pis. Par contre, si on regarde ici, construction libre, dortoir... Jardin, non, cloître, trésorerie, cuisine, rucher, établissement, vinicole. Vinicole. Donc on a, il nous faut un vignoble et un établissement vinicole. Qu'est-ce que tu veux, toi? Du blé pour le prévôt. Sans de blé. Allez. Hop, avoir des points en plus. Produit du raisin, et ça, ça produit du vin et un tonneau. Sachant qu'il faut des frères, ça il faut des frères aussi. Ouais, il va falloir qu'on améliore un peu 2-3 mecs. On peut te mettre là, ce qui est quand même pas dégueu. Qu'il nous faudra des tonneaux derrière. Donc on va voir ça. Un petit peu de vin. On va construire tout ça. Il va falloir qu'on se ramène. Là on en a que un. C'est faible. Ici j'ai tout ce qu'il faut. Oui, ici j'ai... Charbonnier en plus. Transporteur en plus. Voilà. Faire venir un peu de monde, parce qu'il va nous falloir des moines. Suffisamment de place pour qu'ils crèchent. 22, oui, large. Large. Donc on aura cette zone-là qui va être réservée à une église. Une grande église monastique, bien évidemment. Mais il va nous falloir aussi... petit grenier derrière pour mettre le vin et nos raisins. Hop, tout le reste a l'air de fonctionner comme il faut. Nouveau récit peut être entendu. Excédent de matériaux de construction, ça c'est bien, tout le monde est content, c'est génial. Payer les moines errants, donc ça, ça va fonctionner. On va pouvoir choper celui-là, Paris Grant, les nouveaux arrivants, hop. Parmi les nouveaux arrivants, est-ce qu'il n'y en aurait pas un ou deux? Il y en a un. Mandat disponible. On attend ça. Allez les moines, cassez-vous. Ah, c'est 5 seulement. On va être tout juste. Non, c'est 30. On est loin d'être tout juste. Ah, c'est pas grave, ça va remonter. Ça va remonter, c'est pas un problème. Donc eux, ils continuent de faire notre petit truc là. Notre petit truc ici, c'est pas mal. Ça, ça se construit. Alors, il va nous falloir des frères, c'est vrai. Par contre, liste des pièces.
Établissement vinicole, dessiner un champ de culture. Donc pour l'instant, on va le mettre là. Pour l'instant, on va le mettre là comme ça. Voilà, c'est plutôt cool. Du coup, il va falloir qu'on promeut quelques mecs. Mandat disponible, pas tout de suite. Promouvoir, on descend, 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 descend. Copies, 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 sans emploi. Oh, t'es promu, oh, t'es promu aussi. Voilà. Terminé les promotions. Des nouveaux bâtiments. C'est bien. On va mettre des bureaux d'impôt un peu plus corrects à droite et à gauche. Donc toi, j'imagine que maintenant, on a deux cuistots, un vigneron. Ouais. Qui va commencer à planter du vin. Enfin, de la vigne. C'est du vin. On plante pas du vin. Non, ça pousse pas sur... C'est pas comme ça, le vin. Voilà, un de plus ici, ça marche. Sachant qu'ici, il va nous falloir... au moins 3 transporteurs. On va avoir raisin, raisin. 20, 20. Je peux faire 20 miel. Parce qu'on pourrait mettre du miel aussi. Après. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Puisqu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est pas mal. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !